Eh bien le bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Eden Eternal pour la première vidéo sur ma chaîne. Donc ma chaîne aura une manière de fonctionner un petit peu spéciale, donc ça je vous l'expliquerai un petit peu plus tard en jeu, puisqu'on va pas rester 36 ans sur cet écran de chargement. Donc alors sachez que normalement je suis censé découvrir le jeu avec vous. Donc c'est un jeu auquel j'ai déjà joué. Donc je vais plutôt commencer, donc, au lieu de refaire quelque chose que je connais déjà, je vais tout simplement commencer avec une race et un endroit que je ne connais pas. Donc si je me rappelle bien, les Zumi commencent à un endroit auquel je ne connais un endroit que je n'ai jamais fait. Donc comme ça je pourrais quand même découvrir quelque chose avec vous. Sachez tout de même que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc je pourrais vous expliquer certaines choses assez rapidement, mais je vais quand même redécouvrir certaines choses avec vous, surtout si le jeu a changé entre temps. Donc bon, on va commencer tout simplement. Donc on a pris un Zumi et on va regarder les visages. On va essayer de faire ça assez rapidement tout de même, puisque on est ensemble pour 30 à 45 minutes de jeu environ. Donc allez hop, on va essayer de faire quelque chose d'assez méchant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à du gris pour faire un petit peu une... On peut pas changer, d'accord. Allez, on va prendre ça, ça fait un petit peu souris blanche, et la couleur des yeux... Qu'est-ce qu'on peut prendre? En général, un bleu ça va bien chez les animaux, je sais pas. Allez, on va prendre ça, comme ça, ça reste très classique. Donc après, c'est les aperçus de la tenue de la classe. Donc ça, on s'en fiche. On va choisir un nom. Donc sachez que moi, je m'appelle Eren Drav. Bon, évidemment, ce nom est déjà pris, puisque lui, c'est un jeu auquel j'ai déjà joué. Ça, on le sait. Est-ce que ceci est pris? Non, on peut utiliser ce prénom-là, donc voilà. Donc sachez qu'en général, si vous croisez un Eren Drav ou un Erwen ou un Eren Drav, enfin quelque chose qui commence par Eren, souvent c'est moi. Donc n'hésitez pas à venir me parler, hein, parce que je me ferai une joie de discuter avec vous. Donc ensuite, on choisit des traits héroïques. Donc disons que au lieu d'avoir des caractéristiques propres à chaque classe, sachant que ce jeu a une particularité, c'est de pouvoir choisir de pouvoir changer de classe quand on veut en jeu. Donc on crée un personnage, mais on choisit pas vraiment sa classe définitive. On choisit une classe de départ, mais après on pourra en changer. Donc là, ça permet de, par exemple, si on veut s'orienter sur un chasseur par exemple, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, si c'est vraiment des chasseurs. Donc on peut prendre par exemple le trait héroïque aventurier, ainsi on aura chance plus 10%, dégâts critiques plus 10%. Ou bien on peut partir sur de la guérison ou autre. Mais moi je pense qu'on va partir sur un archer. Donc bon, l'archer, on peut commencer tout simplement avec l'archer directement. Donc voilà, on a notre archer, on a nos zoomies. Donc allez, lançons-nous. Donc il demande bien si on a pris chasseur et aventurier. D'accord, donc on a pris ça. Voilà. Donc on a créé notre personnage et là il y a une petite cinématique. Bon, je vais vous la laisser. Hein. Enfin, il faut que je vous lise quand même. Donc on a tous déjà pris. C'est assez rapide. Donc chaque race a trouvé la force de braver les mers déchaînées. Tous sont arrivés sur le continent du centre. Ça sera l'endroit où on va commencer. Éreinté mais heureux de pouvoir commencer une nouvelle vie. Au fil du temps, des différends entre les factions apparurent, puis devinrent de plus en plus violents. Nombre de tragédies survinrent dans ce monde où le chaos était devenu roi. Un voile de souffrance et de misère s'était abattu sur ce pays autrefois merveilleux. Mais un jour, un groupe de jeunes héros arriva. Tatatam. Leur sagesse était immense et leur pouvoir démesuré. Tatatam. Mieux encore, la magie qu'ils maîtrisaient si bien semblait pouvoir repousser le mal et apporter la paix. Comme par hasard. Non, on dit que ces élus sont nés du cristal bleu. Bien. Et qu'ils sont venus au monde pour aider les citoyens à construire une civilisation utopique. Donc, utopique, hein, c'est-à-dire de rêve, hein, en gros.
On appelle ces individus hors du commun les gardiens éternels. Ouhouhou. Allez, on continue. Cependant, la légende concerne aussi d'autres races. Les héros humains suivront leur route de la gloire pendant que les Zoomis se chargeront de trouver et consommer tout le fromage du monde. Ah, ça je l'ai jamais vu, c'est cool. Mais sauront-ils faire prévaloir la paix et le gruyère dans ce monde tourmenté? Ah, c'est génial. Ah, parce que bon, moi sachez que j'ai toujours joué des humains, donc j'avais jamais vu ce petit truc là en plus. Ah, franchement, c'est cool. Bon, vous voyez, je découvre avec vous, et puis je trouve des choses quand même très intéressantes. On découvre ensemble des choses très intéressantes. Bien, nous voilà en jeu. Alors, on commence directement avec une quête. Donc, nous, on va lire les objectifs qui sont ici. Donc, on va aller voir analyste de données réduit. Donc, on accepte, voilà. Je vais aller faire une chose en premier. Paramètres. J'aimerais baisser taille de l'interface. D'accord. Donc la taille de l'interface c'est déjà au minimum. Donc c'est génial. Voilà. Donc bon. On va pas rester là-dedans trop longtemps. Si j'ai des choses à changer, je le ferai après en off. Puisque sachez que je vais pas jouer avec vous tout le temps. Il y aura des parties où je jouerai avec vous, des parties où je jouerai d'un de mon côté, et des parties en plus où je vous expliquerai, voilà, où je vous expliquerai par des émissions et non des gameplays le jeu. Donc, mince, je n'ai pas regardé ce qu'il fallait faire, il fallait parler à Vorissa. Alors, Vorissa. Alors, là, bon, on peut y aller directement, mais voilà, on a vu que c'était par là. Oula, la souris, elle est sensible. Il y a pas mal d'enlever ça. Si, voilà, ça, je l'enlève aussi. Je le remettrai après. Voilà, donc on lui a parlé, maintenant il faut aller informer le directeur Aman. Directeur Aman, il est par là. Par contre, je vais juste quand même baisser un petit peu la sensibilité de la souris, parce que c'est quand même assez rapide. Alors, paramètres, non c'est pas là, raccourci, non, personnage, souris, voilà, hop, je baisse, confirmer, continuer, est-ce que c'est mieux? Voilà, là c'est quand même mieux. Voilà, alors... On prend un petit peu les quêtes du début et dès qu'on devra aller tuer quelques bestioles, je vous expliquerai un petit peu en quoi consiste le concept de ma chaîne. Parce que sachez que j'essaierai de m'y tenir, je ne ferai que ça. Donc voilà. Donc là, on doit aller battre des monstres roublards et atteindre le niveau 2. Donc les monstres roublards, ils nous montrent, ils sont ici. Donc alors, pendant qu'on y va, donc, je vais vous expliquer un petit peu à quoi va consister mes séries de vidéos. Donc sachez que en fait je vais faire des tests de jeux vidéo mais essentiellement du MMORPG. Donc le MMORPG, donc par exemple là je testais Den Eternal, ou sinon il y a Guild Wars 2 que je pourrais faire, il y a Shaya, bon celui-là j'aimerais éviter, parce que bon c'est vraiment un jeu auquel j'ai jamais vraiment réussi à jouer, mais voilà, c'est je prendrai un MMORPG et on y jouera ensemble. Et donc la première semaine en fait, donc je ferai une vidéo découverte avec vous, donc comme là je suis en train de faire, donc je prends le jeu, je découvre, et comme dit, si le jeu j'y ai déjà joué, on fera tout simplement j'essaierai de soit faire une nouvelle classe avec vous, soit faire une nouvelle race, donc un nouveau commencement. Donc comme ça on aura quand même cet aspect assez sympathique de découvrir ensemble le jeu. Ensuite je ne sais pas si je l'ai dit, mais la durée d'un jeu, donc du test, durera à peu près un mois. Donc pendant ce mois-ci, vous aurez diverses vidéos. Donc première vidéo découverte d'à peu près 30 à 45 minutes. Et durant la première semaine, donc les 7 prochains jours, après avoir fait la première vidéo, désolé, c'est un petit peu compliqué de se concentrer sur ce que je dis et sur le jeu. Donc après la première vidéo de découverte, je ferai un ou deux vidéos de gameplay, donc lors du leveling. Donc voilà, donc ça sera pour la première semaine.
Et une fois que, donc, pour clôturer la première semaine, donc, non, on va dire pour commencer la deuxième semaine, je vous ferai une vidéo, non une vidéo de gameplay, mais une vidéo de... Enfin, une émission, où je parlerai en voix off, je vous expliquerai différentes choses, et donc ça sera mes premières impressions. Je vous expliquerai les races, les classes, donc les choses de base. Et donc voilà, donc ça sera vraiment quelque chose d'assez basique. Et donc après, on aura les... Je vous expliquerai tout ce qui est... Enfin, après, pendant la deuxième semaine, je vous ferai une vidéo de gameplay, soit sur... sur un donjon, soit sur un sur du PVP, soit les deux. Donc vous aurez du gameplay comme ça. Et après cela, donc lors de la troisième semaine, donc, je vous ferai de nouveau une émission où je vous expliquerai tout ce qui est je vous expliquerai en détail donjon, PVP, parce que sachez, les vidéos de gameplay, ce sera de la découverte avec vous. Voilà, ça sera pour jouer tranquillement, on parlera de diverses choses, mais je ne vous expliquerai pas trop en détail. Donc, lors des émissions, je vous expliquerai tout ça en détail. Donc, voilà. Alors, donc, je vous expliquerai ceci. Donc, je prends juste... Voilà. Je pense... Ah non, là, on a accepté, là. Non. Ah non, il a dû tout nous donner. Oui. Sinon, je fais pas attention à ce que je fais, en fait. Donc, récupérer l'objet cristal pour le bingo. Bingo, bingo, bingo. Je ne sais pas où est-ce que c'est, d'accord, mais j'allais voir. D'accord. Oui, donc après, donc, je vous ferai une émission à ce niveau-là. Donc, pour expliquer donjon, monture, tout ça. Donc, ça sera vraiment l'aspect poussé du jeu. Donc, je l'expliquerai. Et je vous ferai ensuite quelques gameplays d'un jeu, enfin, du jeu, une fois bien. Ah voilà, c'est notre... Donc une fois plus haut niveau, puisqu'au début donc on va être ensemble, on va être ensemble pour les 5 premiers niveaux, et après je vous montrerai donc bien avancé au bout de 10-20 heures de jeu. Donc, ça on va faire la différence. Donc là on a appris une nouvelle compétence, ok. Et ensuite donc ça sera pour la troisième semaine. Excusez-moi, je m'attarde pas mal. Voilà, donc ça sera la première semaine. Et ensuite, la troisième, pardon. Et après, il y aura la quatrième semaine où je vous ferai une émission. Non, un gameplay, pardon. Un gameplay où je vous donnerai mes avis finaux. Et donc là, on sera. Ça dépendra en fait du jeu. Sans la myrtille, la framboise, objet, fin de choix pour l'utiliser. Ah, d'accord, maintenant je vois. Oui. Voilà, donc la quatrième semaine, je vous ferai une émission de... Non, un gameplay pour parler du jeu, dire si je continuerai ce jeu. Et voilà, donc je ne donnerai pas de note au jeu, je vous dirai tout simplement si je continue le jeu ou si je l'arrête. Comme ça, vous aurez mon avis, mais je ne donnerai pas un avis. C'est une note, puisque la note peut changer d'une personne à une autre. Donc je préfère vous donner mon avis à moi. Alors, tout simplement. Dis donc, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bon. Donc voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu. Donc maintenant, on va expliquer un petit peu le jeu. Donc là, en fait, nous avons... ben non, je vais être... Haha. Les compétences et tout ça, ce sera pour donc l'émission de la deuxième, voire troisième semaine. Donc pour l'instant on va continuer les quêtes tout simplement, on va être ici tranquillement, je vais dire des bêtises, tout ça, voilà, on va être content. Donc là on prend la quête, voilà, j'ai peut-être, non c'est, voilà, donc c'est B pour avoir l'équipement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, puisqu'on choisit un petit peu, on peut changer de classe, on a au début, il nous donne plusieurs équipements pour pouvoir jouer la classe qu'on veut dès le début. Donc moi, je prends ceci, voilà. Ensuite, il me demande d'aller livrer l'objet cristal bleu à l'intendant Macro et livrer l'objet huile à Eleonore. Alors, où sont ces personnes-là? Donc pour le savoir, on peut faire un clic droit sur le nom et ça nous affiche tout simplement. Si on fait un clic gauche, ça nous y amène directement. Et donc, bah, ça, c'est pas drôle, ça. Il vaut mieux marcher directement. C'est déjà une chose de regarder où c'est, mais si en plus
on y va comme ça, sans... C'est genre, allez hop, je touche plus à rien, il y va, et donc c'est pas vraiment très intéressant. Je me rappelle qu'il y avait un jeu carrément où on pouvait activer un bot, carrément un bot dans le jeu directement qui allait attaquer les monstres automatiquement. Donc en général, ce genre de choses... Oula, oula, il y a eu un ralentissement. Ah oui, donc je disais, ce genre de choses, ce sont des hacks, hein, donc c'est, en général c'est puni par le jeu, mais là le jeu avait décidé de l'inclure dans son jeu directement. Bon, c'est chacun choisit ce qu'il fait, hein, mais bon, c'est un peu étrange quand même. Voilà, donc on arrive du côté d'Eléonore, voilà, donc je lui ai parlé, et maintenant il faut que je parle à l'intendant Marco. Voilà, hop, voilà, et on confirme. Ensuite, on va récupérer une nouvelle classe qui nous demande de battre des champignoïdes rocailleux. Donc 4 champignoïdes rocailleux, c'est juste à côté, donc c'est parfait. La force inflige plus 15 dégâts par seconde à un ennemi, d'accord. Attaque 3, tata, d'accord. Et attaque visible de son ennemi et baisse sa vitesse de déplacement. D'accord. Par exemple, on peut balancer la première compétence, puis la deuxième, et on termine par là. Donc voilà, ça c'est très bien. On atteint niveau 3. Statut personnage. On voit pas pourquoi il nous a mis ça. Bon. Parce qu'on n'a rien à y changer. Par contre, on change là-dedans. Là-dedans, on peut choisir d'améliorer nos compétences contre de l'argent. Et là, avec des points de compétences. Voilà. Donc il y a des... Non, tout ça, je vous l'expliquerai plus tard. Enfin, bon, sachez qu'il y a des classes qui sont propres au type de classe. Et il y a des classes qui sont propres à la classe même. Je vous expliquerai tout ça plus en détail lors d'une émission. Parce que bon, une émission, je peux m'y reprendre alors que le gameplay, vous avez vu, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu mon concept. Et bon, j'ai passé quoi, facilement 10 minutes. Donc là, on sélectionne une compétence, que ce soit violence, vitesse d'attaque ou vitesse d'impact. Nous, on est quelque chose de DPS d'attaque, non de magie, donc on va prendre de la vitesse d'attaque. Voilà, ensuite livrer cristal bleu au directeur Aman. Le directeur Aman, d'accord, c'est le gars qu'on est allé voir avant, donc il est dans la ville. Donc on va dézoomer un petit peu. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez du jeu, mais moi je le trouve quand même assez joli. C'est bon, ça peut pas plaire à tout le monde, mais c'est un graphique. Ce sont des graphismes tout de même plutôt couleur pastel, mais c'est pas du manga. Le manga, moi j'ai un peu de mal quand même avec ça, mais ça, ce sont des couleurs que je trouve vraiment très jolies. Ça, le jeu, je trouve quand même assez joli. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc alors on va retourner voir le directeur Aman. Donc on peut voir que je suis niveau 4 de personnage, niveau 2 de classe. Voilà, hop, on continue. Par contre, il y a Frappe qui m'embête un petit peu. Je sais pas pourquoi. Donc je vais baisser un petit peu les ombres. Voilà. Baisser les ombres. Voilà, on va confirmer. Bon, sachez que ce qui prend en général beaucoup de ressources, ce sont les ombres et l'anti-aliasing. Et la luminosité après. Enfin, le type d'éclairage plutôt. Voilà. Hop. Donc sachez que bon, pour certaines vidéos. Ne me dites pas que j'ai plus beaucoup de place sur mon disque dur et c'est pour ça qu'il prend du temps, enfin, qu'il lag un petit peu. J'espère que c'est pas ça. Voilà, donc on va voir le directeur Aman. Là, on prend ceci. Par contre, j'ai fait un petit peu une bêtise, je n'ai pas mis de minuteur, donc je ne sais pas combien de temps j'en suis. Donc c'est un petit peu bête. Donc là il fallait livrer l'objet hiéroglyphe à Athena Marie. Athena Marie, Athena Marie, Athena Marie, Athena Marie, elle est où? Elle est là-bas, donc on va là où on était et après on va sur la droite. D'accord. Bon, comme dit, hein, cette zone là je la connais pas, donc je découvre avec vous. Bon, j'essaie de découvrir quand même assez rapidement parce que j'ai pas envie que l'épisode s'éternise ou alors qu'on ait rien fait. Comme dit, j'aimerais que ce soit 30 à 45 minutes, le premier épisode. Après les autres épisodes, je sais pas combien de temps ça fera. Hein. Peut-être que les épisodes de gameplay, plus tard, ça sera 30 minutes. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop long.
Parce que bon, sinon déjà, il faut que ça me prenne beaucoup de temps, upload, tout ça. Bon, j'ai un ami qui a la fibre, donc je peux aller chez lui pour uploader tout ça. Mais dans l'idéal, je peux le faire chez moi. Donc voilà, je vais éviter que ça prenne trop de temps. Et donc voilà, 30-45 minutes. Donc j'ai regardé à combien de temps j'en suis. Je vais essayer de faire ça sans que vous le voyez. Ah bah tiens, on va utiliser cette fonction-là, la fonction du bot. Et je vais aller voir ça. Donc bon, il me reste 25 gigas sur mon disque dur. Ça devrait aller. Donc Fraps. Fraps Movie. Et j'en suis. D'accord, il me dit que mon fichier fait 20 gigaoctets, mais il me dit pas combien de temps, depuis combien de temps ça le fait. Ah mais je peux regarder avec mon logiciel de... Ah voilà, donc on est à 20 minutes. Parce que en fait le son j'enregistre ailleurs, enfin sur un autre logiciel, et je peux voir le temps avec ça. Donc là on sélectionne une... Donc ça ce sont des familiers. Alors ça c'est un familier de type physique frappe, type physique entaille, type magique feu, type magique feu et type magique percé. Alors, ben moi je vais prendre le pan de combat. J'espère que ça se dit comme ça. Sinon on va dire péon. Voilà, péon. Un paillon. Bref, voilà. Donc battre chauve-souris sucré et atteindre le niveau 5. Donc là je suis niveau 4, donc ça devrait aller assez vite. Donc là on a chauve-souris aigre et chauve-souris sucré. Donc on va aller se mettre la chauve-souris sucrée sous la dent. Plus rappelons que je suis tout de même une souris. Donc moi ce serait plutôt des fromages qui m'intéresseraient. Mais c'est dingue, hein. Chauve-souris aigre comme le vinaigre, tout ça. Le gremlin gourmand et la chauve-souris sucrée. Ça se voit quand même que les souris passent leur temps à bouffer. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Mais quand même. Voilà. Donc on continue, on essaye de les tuer assez rapidement. Là, donc on est déjà niveau 5, donc maintenant il n'y a plus qu'à tuer 3 autres chauves-souris. On a une nouvelle compétence qui permet d'immobiliser la cible. Donc on va tester ça tout simplement. Allez hop, on envoie ça, et voilà. Quand elles sont immobilisées, elles ne se retournent même pas vers nous. C'est genre non, je suis pas là. Voilà. Ok, donc on a terminé nos 6 chauves-souris. On aurait une baguette de la branche. Ah d'ailleurs, mince, ah je me trompe toujours, j'appuie sur I, mais I c'est l'item shop. Voilà, donc ça permet d'invoquer un monstre dangereux. D'accord, bon, moi je vais mettre ceci, je vais prendre ceci, je le confirme, et tatatatam, je t'envoie au combat. Voilà, et comme ça, on a un familier qui me suit. Et ce familier là, si je me trompe pas, il peut ramasser les items. Je sais plus. Non, il attaque. Non, il attaque avec nous. Donc c'est assez pratique. Voilà. Donc là, je l'ai fait passer en mode combat. Comme ça, il va pouvoir attaquer avec nous. Comme ça, on pourra tuer les ennemis plus rapidement. Alors, on va faire le niveau 6, vie éternelle, puisque l'autre, c'est une quête répétitive. Donc on va pas la faire. Et donc on doit aller récupérer l'objet petite pente auprès des gremlins gourmands, récupérer l'objet pièce percée auprès des défenseurs antiques. J'ai vu le gremlin gourmand ici, et là comme vous pouvez le voir, j'immobilise la cible, et mon familier va aller attaquer. Et en plus, les familiers font quand même pas mal de dégâts. Donc, et comme vous pouvez le voir, ils récupèrent les items aussi, donc c'est vraiment très pratique. C'est en général, ce genre de familier ou de ramasseurs, on les a dans l'item shop. Donc c'est vraiment très agréable de les avoir dès le début. Voilà, on a fini avec les gremlins gourmands. Je vais voir où sont les défenseurs antiques. D'accord, ils sont sur le milieu de l'île. Comment est-ce qu'on y va? Ah mais non, on peut tout simplement passer par l'eau. Oui, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors sachez que on peut sauter dans le jeu, mais c'est assez bizarre. Donc en général on évite de sauter tout simplement. Voilà. Alors donc, on va essayer de terminer cette quête assez rapidement. Voilà.
Voilà, on a eu nos pierres percées et nos pointes, nos petites pointes, j'allais dire nos pointes pointues. Oui, bien sûr. Le bleu est bleuté. Bref. Donc on va aller rendre cette quête là. Voilà. Alors, hop, vie éternelle. Ah mince, faut que je sélectionne. Donc on a de l'esquive ou la précision. On va prendre deux la précision. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu as nous... Ensuite, chauve-souris aigre et golem des mines de fer. Donc voilà. Alors, là, on passe avec les chauves-souris aigres. Donc bon, voilà, au début c'est tranquille. C'est des petites quêtes. J'essaie de les faire quand même assez rapidement pour que vous voyez un maximum de choses. Ah, voilà. Donc, sachez que les chasseurs, ils ont aussi des familles. Donc là, je vais invoquer mon tigre. Voilà. Et donc, il y a sa vie ici. Ça, je vais enlever. Et bien, rien d'autre. Au lieu d'ordonner. Allez, hop. Attaque. Mince, c'est clic droit pour attaquer. Voilà. Le pan, il attaque seulement si c'est nous qui attaquons. Voilà. Donc là, franchement, chasseur, pour débuter, niveau DPS, c'est très bien. Parce que nous avons un familier qui peut prendre les dégâts à ma place. Donc, en ce cas, quand même, il faut le préciser. Qui va faire plus de dégâts. Et en plus, on a notre. Notre familier de combat, on va dire. Parce que bon, on va dire, on a le familier de classe et le familier de combat, on va dire ça comme ça. Qui permet de faire des dégâts en plus également. Donc c'est quand même très 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 agréable. Alors voilà, des golems de mine de fer, il nous reste à faire. Les golems de mine de fer, ils sont en bas, d'accord. Mais dis pas qu'il faut que je fasse tout le tour. Non, vous n'allez pas me dire ça quand même. Non, c'est bon, je crois qu'on peut passer. C'est bon. Ouf. Parce que si j'avais dû le faire tout le tour, ça m'aurait pas pu. Voilà. Ici, on a les golems de mine de fer. Là, hop. Je préfère encore en immobiliser certains. En tout cas, comme vous voyez, on les tue quand même très très rapidement. Ça, c'est fort agréable. Voilà. Donc, on a terminé une quête. Donc là, il faut aller retourner voir Athéna Marie. Donc, Athéna Marie, on se rappelle, elle était ici. Comme porteur. Ah bah non, non, Athéna Marie, elle est là. Oups, pardon, j'ai dit des bêtises. Voilà, donc là, invocation de tigre. Et si on fait un clic, on peut annuler le statut, moi je pense que ça permet de renvoyer le familier. Ça c'est pratique. Voilà. Alors, Athéna Marie, vie éternelle. Voilà, et... France disponible, on nous donne tout fermé. Hop là, je vais juste m'équiper de... Mince, niveau 7, tant pis. Ah, là on va avoir un sac et un arc, donc ça c'est pratique. Il fallait voir accueillir attendant Marco. Alors Marco, je crois que justement c'était voilà, c'était ici. C'était ce que j'avais montré avant, j'avais inversé les deux. Donc bon, c'est pas bien grave. Voilà, je suis niveau 6. Entrée héroïque et niveau 6 en chasse. D'accord. Très héroïque, je vais dire niveau personnage 6 et classe 6 également. Voilà. Donc on retourne voir Marco. C'est l'intendant Marco. Voilà, intendant Marco, il est ici. Alors, mon petit Zoomy, qu'as-tu à nous dire? Voilà. Hop, donne-moi tout ça. Voilà, parfait. Hop. Mince. Ah, je me trompe encore. Donc, ceci niveau 7. On est passé niveau 7. Donc, j'active aussi un sac et je mets ceci. Voilà. Comme ça, on a eu un nouvel arc et tout et tout et tout. Mince, j'ai pas pris sa quête. Niveau 8. La crise de la carrière Angor. Accepter. Informer Kev de votre progression. Okay. D'accord. Donc là, on va aller dans les monts calcaires. Donc on va changer. Ça, c'est les collines tranquilles. Non, mais je pense qu'on peut quand même y aller. Voilà, sinon. Non. Il doit y avoir un moyen de changer d'endroit. Ok. Peut-être changer. Possible d'utiliser cet objet. Pour en apprendre plus, rendez-vous à la vallée Fergal.
Pourquoi est-ce qu'il veut pas prendre le... Apparemment, il y a un portail. Pourquoi est-ce que je peux pas prendre le portail? Quand vous aurez atteint l'équation de centre, prenez le bateau pour le prendre. Hein? Il faut aller parler au gars, tout simplement. D'accord. Bon. Donc là, on est dans des collines tranquilles. Mais on doit aller dans les monts calcaires. Alors, là, on se déplace. Voilà. Alors, monts calcaires. Monts calcaires, monts calcaires, monts calcaires. Donc, on va dans la zone des humains. Les monts calcaires, c'est ici. C'est ici. Informer quelle est notre progression. Ah non! On est ici en fait. D'accord, maintenant on va pas donner le mot calcaire. C'est pas la crise de la carrière Angor. Carrière Angor. Si je me trompe pas, c'était la... le donjon du premier niveau. Ouais. Hop, on va aller voir Cave. C'est bien, tranquille. Enfin, mais mon calcaire. Oui, non, 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 oui, non, c'est bien ça. On va dans les monts calcaires. Oui. Je sais pas pourquoi, mais il mettait ce. Un truc ici. Comprenez pas. Mais bon, ça devait être un bug, tout simplement. Donc, on va aller dans les monts calcaires. Hop là. Niveau 7 et niveau 6. Voilà, donc on change de zone. Donc là, on est dans la zone de départ des humains. Après, je sais pas si c'est une autre zone également, enfin, pour ce moment où il y avait d'autres races, donc je sais pas si, si elles en faisaient partie, je sais pas où est-ce qu'elles commencent en fait. Je savais que les Zoomy avaient une zone propre à elles, et pour les autres races, je ne sais pas. Donc on va améliorer un petit peu nos trucs, de compétences, donc j'ai pas assez de points de compétences. Instinct sauvage. Bien, donc ça c'est nous prendre des pièces. Tir de précision également. Et perforation. Non, je l'utilise pas vraiment. Voilà. Hop là, donc on va continuer le jeu. Voilà, nous voilà arrivés à Kev. Alors Kev, la crise de la carrière Angor. Hop, confirmé. Et carrière Angor. Donc ça, c'est une quête de groupe, parce que c'est un donjon. Bon, on est qu'à 32 minutes, donc j'avais dit entre 32 et 45 minutes. Donc vous savez quoi, on va aller faire ce donjon, parce que c'est le premier donjon. Normalement, si je dis pas de bêtises, on peut le faire seul. Donc je vais essayer de le faire seul, parce qu'en plus, je suis quand même chasseur, donc j'ai un familier pour tanker et j'ai un autre familier pour attaquer. Un familier que tout le monde a. Donc là, il faut que je batte Mori Mori et Erak. Ça, c'est dans la dans le donjon. Donc on y va. On prend le 02, si je ne me trompe pas. C'est ça, et confirme. Voilà. Donc. Voilà, nous voilà dans le donjon. Donc pour pas faire de bêtises, j'envoie d'abord mon... Mince, j'étais en train d'invoquer mon... Voilà, je l'ai rien invoqué. Voilà, donc je dis à mon familier d'attaquer. Et maintenant, moi, j'attaque. Comme ça, c'est mon familier qui prend les dégâts. Tandis que moi, j'attaque tranquillement de mon côté. Bon, à savoir que c'est pas grave hein, si mon familier meurt, puisque... Il n'y a pas de temps de cooldown, je peux l'invoquer autant de fois que je veux, ça me prend juste un petit peu de temps, voilà. Un petit peu de mana également, mais c'est pas bien grave. Donc, on continue. Ah, je crois que j'ai dû attaquer un petit peu trop vite, mais c'est pas grave, j'ai quand même de la fille, quand même. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, alors, il faut savoir que c'est souvent les donjons où on XP très bien. Et bah c'est le cas dans ce donjon là, donc c'est vraiment très bien. Là, hop, toi je te lance ici. Voilà, on continue. On va essayer de faire ça assez rapidement. Et je pense que je vais vous laisser après avoir rendu la quête du donjon.
Comme ça, on aura vu quand même pas mal de choses. J'aurais pu vous montrer le premier donjon. C'est quand même très agréable d'avoir un donjon bas niveau. Parce qu'en général, il faut attendre niveau 20, niveau 30, avant d'avoir des donjons. Si, déjà, il y en a. MMORPG, sans donjon, franchement, moi, j'aurais beaucoup de mal. Puisque, il faut savoir que je suis un joueur... Aïe, j'aurais pas dû faire ça. Ouh, ça risque de faire mal. Bon, on va essayer une potion. Alors, je vais d'abord m'occuper des ennemis qui sont sur moi. Là... Ouh, attention, je prends mon ennemi, donc j'ai mal joué, tout simplement. Ouais, par contre, je vais éviter de mourir. Une autre potion. Oh, j'atteins le niveau 10. Non, je peux atteindre le niveau 10, non, c'est faux. Ça m'a donné une quête niveau 10. Par contre, je suis niveau 8. Là. Alors, on continue. Donc après, je vais réinvoquer mon croc tranchant pour lui rendre de la vie s'il vient mourir. Voilà, hop, j'ai tout ça. Donc ça me donne des taux de critique. Donc c'est pas plus 300, c'est faux, c'est plus 45. 300, c'est au niveau max. C'est un petit bug. C'est pas bien grave. Voilà, allez, on continue. Par contre, j'ai la fâcheuse tendance à appuyer sur A et E parce que j'ai pas réglé mes touches, parce qu'en général je mets les deux premières compétences sur A et E, mais bon, ça je le ferai de mon côté, hein, je peux rien mettre avec ça. Allez, on continue, on essaie de faire ça assez rapidement. En tout cas, bon, moi Eden Eternal c'est un jeu que j'ai joué, j'avais bien apprécié, mais il faut voir s'il arrive encore à me séduire maintenant. Donc ça fait quand même un petit moment que j'y ai joué. Voilà, donc là on a le premier boss Erak. Donc je vais pas faire de bêtises, je vais prendre une potion d'abord. Je vais réinvoquer mon croc tranchant. Je lui dis d'attaquer. C'est un clic droit, un clic gauche. Et voilà, donc là je l'attaque, je l'immobilise. Je lui envoie du dégât par seconde. Et maintenant on peut attaquer tout simplement. Je me fais attaquer, c'est pas grave, il va pas me faire beaucoup de dégâts. Voilà, donc on vient de battre notre premier boss. C'est assez pratique. Ah, mince. Si je me trompe pas. Aïe. Mince, j'ai touché à mon bouton Wi-Fi. Aïe. Ah, c'est bon. Ça m'a reconnecté. Ouf. Ouf, j'avais peur d'avoir fait une connerie. Heureusement que ça m'a. Ah bah non, hihi. Connexion serveur perdu, tant pis. Donc deux petites secondes, hein, je reviens. Et donc nous revoilà, donc, désolé pour ce petit imprévu, bon, ce sont des choses qui arrivent. Le problème c'est que moi j'ai d'abord les touches fonction, d'abord avant les touches F2, vous savez, sur les PC portables. Et donc sur le F2 c'est l'activation et la désactivation du Wi-Fi. Donc bon, bah, j'ai appuyé sur F2 sans faire attention. Donc bon, je suis revenu ici, j'ai refait toutes mes. J'ai refait tout le trajet, donc bon, ça m'a fait perdre 5 minutes, mais bon, c'est pas grave, hein, l'important c'est que vous n'ayez rien perdu. Donc j'en ai profité pour mettre mes touches à jour, donc maintenant vous voyez, j'ai AE, 1, 2, 3, 4, 5, bon, 6, 7. Et voilà, donc normalement, si je mets de temps en temps X et V, voilà, comme ça pour avoir vraiment toutes les touches sous mes doigts. Donc on va continuer, bon, je vous rassure, on a bientôt terminé, c'est quand même dommage parce que, allez, à 5 minutes près, même pas, on aurait terminé la vidéo et il n'y aurait eu aucun problème. Bon, j'espère tout de même que la vidéo sera très agréable puisque. Moi j'ai envie de vous donner envie de regarder cette vidéo là, et sans vous donnant envie que moi j'ai envie de les faire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo sera très intéressante. Donc nous voilà devant le boss final. Donc on va activer notre compétence et on va lancer notre croc tranchant. Il va se faire assez rapidement, il est franchement pas compliqué. Donc ça va arriver. Voilà, on l'a terminé. Donc on va quitter le donjon. Après cela, eh bien, on va rendre la quête. Puis
On se dira au revoir d'une manière tout à fait honnête. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc nous voilà en dehors du donjon. On rend cette quête, carrière encore 1, voilà. Et donc, je sélectionne, donc ça c'est de l'agilité et de l'intelligence, non merci. J'accepte, voilà l'autre. Et nous voilà niveau 10. Donc je sélectionne ça, cette nouvelle quête. Bon ça je le ferai plus tard. Et je tue juste un ennemi pour être 10-10. Et voilà, donc on est niveau 10-10. Donc 10 en personnage et 10 en classe. Et donc, bien, on va commencer à se quitter là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir que vous la regardiez. J'espère qu'elle vous a diverti. Et bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Enfin bref, terminez bien la journée que vous avez commencé, ou bien commencez là de manière très bien. Bref, je m'embrouille un petit peu, donc allez, je vous dis à la prochaine, et donc la prochaine fois, ça sera dans 2 ou 3 jours pour un gameplay. Je vous rappelle que dans 7 jours, il y aura la première émission. Donc sur ce, à la prochaine, et puis tenez-vous bien, et, ma foi... On se donne rendez-vous. Ciao !